Mons of Zit, de Netscoot à présent, je vous en prie. Et vous remplacez Jonathan Bourgand qui n'a pas pu être présent avec nous. Bonjour à tous. Donc je suis Mons of Zit, je suis le responsable territoire Afrique du Nord pour la société Netscoot. Je suis parmi vous pour présenter notre vision. C'est une histoire que je vais raconter. Cette histoire-là, c'est un parallèle entre le changement climatique et le changement au niveau des attaques, des cyberattaques. Vous allez voir, cette logique-là, elle est très intéressante. Donc, je vous demande en fait de me suivre et de patienter un petit peu. Donc, si j'arrive à le faire marcher, parfait. Donc, globalement, en fait, est-ce qu'on a la possibilité d'imaginer qu'on est capable en fait, de prédire ou bien de stopper un ouragan, une tempête, de l'orage? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Pourquoi? Parce que si c'était quelque chose de possible, donc il y a la possibilité en fait, d'éviter en fait, beaucoup de catastrophes. Et réellement, en fait, on a la possibilité de prédire. Pourquoi? Parce que ceux qui travaillent dans la météo, ils font un travail énorme. Donc, on a beaucoup de satellites en fait, au niveau international qui permettent en fait, de prédire un petit peu ce qui se passe. Et donc, de cette façon-là, on essaye d'éviter certaines catastrophes, on arrive à le faire, mais dans plusieurs cas, en fait, ça devient trop tard et éviter une catastrophe, ça devient impossible. Il faut regarder le storm, ou bien on peut trouver plusieurs traductions à ce mot-là. C'est l'ouragan, c'est la tempête, c'est l'orage. Aujourd'hui, au niveau de la cybercriminalité, c'est comme une attaque. Est-ce qu'on est capable de le faire? Nous, chez Arbor, Netscoot, Arbor, c'est l'image de marque sécurité qui est connue, qui protège 100% des Tier 1 au niveau international. Mais la société aujourd'hui à qui on appartient, elle s'appelle Netscoot. Et Netscoot, c'est 3000 employés en fait, au niveau mondial. Et on a une visibilité sur plus que 180 terrains de trafic Internet par seconde. Donc, on a la possibilité de prédire la préparation des attaques. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Parce que on est présent un peu partout dans tous les réseaux. Et c'est ce qui nous permet de lire ou de prédire la préparation des attaques. Et c'est ce qui nous permet en fait, de protéger nos clients rapidement. Tous, on sait le changement au niveau climatique. Je ne vais pas vous faire une conférence sur le changement climatique, mais c'est un sujet qui concerne tout le monde. Ce n'est pas un sujet qui concerne un pays ou un continent. Le continent africain, c'est un continent aujourd'hui très important au niveau international. Et le changement climatique il joue un rôle important au niveau en fait, de l'avenir en fait, de ce continent-là. Donc, tous, on peut prendre l'exemple du changement climatique et du changement au niveau des attaques de déni de service. Je prends un exemple simple. Lorsqu'on parlait avant d'une attaque DDoS, une attaque par déni de service, c'était quelque chose en fait, de très complexe, qui est géré par des experts. Aujourd'hui, un gamin chez lui, dans la maison, il est capable de faire tomber votre système d'information sur lequel vous avez passé beaucoup de temps à travailler, vous avez mis beaucoup de briques de sécurité, vous avez investi avec des équipements nouvelle génération, avec des load balancers, avec du WAF, avec de l'EPS, avec des serveurs, mais un jeune qui maîtrise un petit peu ce qui se passe sur Internet, parce que sur Internet, il y a beaucoup d'outils pour lancer des attaques, il est capable, et on l'a vu dans plusieurs cas, de faire tomber un système d'information d'une façon complète. Les changements qui se passent en fait, au niveau climatique, on a en fait, un parallèle entre ce qui se passe au niveau des attaques
aujourd'hui sur Internet. Tous on parle de la cyber security. Et aujourd'hui, pour un ingénieur, pour se vendre sur le marché, le terme d'expert cyber security, c'est un terme très important et c'est un profil important. On parle de 1,5 million de postes au niveau international d'ici 2020 de cyber security expert. On ne trouvera pas de personnes capables de prendre ce poste-là. Pour une raison simple, c'est que la cyber security, elle est devenue en fait le sujet principal de la préoccupation de ceux qui gèrent le système d'information. Donc avoir quelqu'un qui est capable de décortiquer un problème et de mettre les points sur les i concernant ce problème-là et de confirmer est-ce que le bagotage que j'ai au niveau réseau, est-ce que c'était juste un bagotage lié en fait à un problème sur mon routeur, mon switch, mon serveur, ou bien c'est un sujet plus complexe et j'ai probablement une attaque et que cette attaque-là, elle a probablement exfiltré des données. Et des données sensibles d'une banque, d'une administration, d'un service provider qui pourra se retrouver sur Internet. Netskout, on possède quelque chose qui s'appelle Early Warning. C'est quelque chose d'exceptionnel, mais c'est quelque chose qui est proche de ce que font ceux qui travaillent sur le changement climatique. Notre force, elle s'appelle Atlas. Et Atlas, c'est une base de 180 téra de trafic Internet par seconde, où il y a une contribution importante de service provider, de clients, mais aussi on a une équipe qui s'appelle Assert. Cette équipe-là, c'est une équipe qui est composée de des experts très pointus. On a des gens de nationalité algérienne, tunisienne, américaine, française. En fait, la nationalité n'a pas de rôle en fait, sur ce type d'expertise. C'est plutôt l'expertise pour fournir en fait les moyens pour armer nos clients pour se défendre contre les attaques de déni de service. Normalement, il y a un son, mais il n'y a pas de son. C'est incroyable quand même. Mais il y a un son ici. Et je ne l'ai pas trouvé. Et c'est un son qui est très intéressant parce que ça montre la différence entre une attaque applicative, une attaque volumétrique et une attaque multivectorielle. Est-ce qu'on pourra le trouver, le son? Non. Dommage. C'est, on dit, l'alia du live, parce qu'on est en direct. C'est ça? C'est intéressant. C'est pas grave. En fait, la majorité des attaques qui sont connues, c'est des attaques applicatives. En fait, ces attaques applicatives, leur objectif, c'est quoi? C'est de viser un service donné, un service web, un service DNS, un service mail, et de le faire tomber. Ça veut dire quoi, le faire tomber? Ben, le rendre indisponible. Aujourd'hui, la connexion, c'est du business. Mais c'est un business pour le privé, mais aussi c'est du business pour le public. Une administration qui met un site public, son objectif, c'est que ce site public-là soit utilisé tout le temps. C'est vrai ou pas? Donc, avoir de la connexion, ça veut dire avoir des gens qui se connectent et qui sont satisfaits de la connexion. L'attaque applicative, elle vise... Moi, je vais prendre un exemple, mais c'est un exemple méchant, mais je vais le prendre quand même. Un sniper qui va viser quelqu'un, celui-là, en fait, c'est presque la même chose qu'une attaque applicative. Donc, il va viser pour tuer. Donc, viser pour faire descendre le service. Pardon. Ok, je suis revenu trop. Voilà. Ok, pardon. Non, là, c'est pas bon. L'attaque applicative, l'attaque volumétrique, si vous la recevez une fois, vous n'avez plus rien. Ni web, ni mail, ni DNS. Rien du tout ne fonctionne. Je suis sûr, parmi vous, il y a des gens qui ont sébu ça.
Mais il y a deux types de population aujourd'hui. Il y a ceux qui savent qu'ils sont attaqués et ceux qui ne savent pas qu'ils sont attaqués. Ceux qui savent qu'ils sont attaqués, ils ont mis les moyens pour se défendre. Ceux qui ne savent pas qu'ils sont attaqués, ils continuent à traiter les attaques Bardinet de service comme étant du bagotage. C'est l'équipement réseau qui n'arrive pas à tenir la charge. C'est le firewall qui est sous-dimensionné. C'est le serveur qui est mal dimensionné. Et généralement, on fait une course pour aller changer tout le temps l'infra alors que le problème peut-être il est ailleurs. Troisième type d'attaque, et là c'est le plus grave, c'est d'avoir une attaque multivectorielle. Il y a une banque importante au niveau mondial qui a subi une attaque. Est-ce que vous pouvez me dire la durée maximale de cette attaque-là? Elle a subi une attaque qui a duré combien? Une heure. Qui dit plus? Une journée. Combien? Une journée. Oui. 11 jours. OK. Combien? Des mois. Voilà, parce que des mois, là, tu as donné des mois. Voilà, c'est génial, ça. C'est une attaque qui a duré 2 ans. Très complexe, parce que c'est une attaque multivectorielle. En même temps, à cibler les équipements actifs, vous connaissez c'est quoi un équipement actif? C'est sûr. Un firewall, un EPS, un WAF, un load balancer, c'est des équipements actifs. Elle était adressée aussi au serveur d'application et aussi elle était volumétrique. Ce qui est important dans une attaque, c'est que qu'est-ce qui se passe lorsque l'attaque elle n'est pas perçue? C'est-à-dire lorsqu'on sent que l'infra elle a bougé, ça a bagoté, le responsable du système d'information il a appelé la personne qui gère le firewall pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Il a regardé un petit peu, il a peut-être rebooté le firewall, il a rebooté en fait le load balancer, le serveur, et après tout était revenu au normal. Ça arrive souvent. Et je suis sûr que ça arrivait dans plusieurs cas. Et on a l'impression que tout marche nickel, l'accès Internet il est bien, le serveur web il est joignable. Là, c'est là le danger. C'est que la possibilité qu'il y ait quelque chose qui était installé à l'intérieur de l'infra pour préparer ce qu'on appelle command and control, préparer à une exfiltration de données, préparer à une sortie au niveau d'une attaque vers l'extérieur. Si on regarde les statistiques au niveau des attaques sur l'Afrique, on a beaucoup d'attaques sortantes, énormément d'attaques sortantes. C'est parce qu'il y a beaucoup de botnets qui sont installés. C'est parce qu'il y a beaucoup de serveurs ou de téléphones ou de portables qui sont connectés en command and control avec des serveurs externes. Un système qui est compromis, ben ça veut dire que ce sont des données. La personne qui est passée avant moi, elle parlait des données personnelles, de la protection des données personnelles et de la visibilité. Ça, c'est un élément clé. La donnée personnelle, ça veut dire qu'il faut qu'elle reste à l'intérieur du système d'information. Une compromission du système, ça veut dire que des données peuvent circuler en fait à l'extérieur. Et vous êtes responsable. Vous ne pouvez pas dire non, ce n'est pas mon problème. Une attaque sortante, vous êtes responsable de l'attaque sortante. Pourquoi? Parce que si vous laissez votre système d'information sans protection et qu'il y a des attaques qui sortent vers l'extérieur, vos adresses IP publiques se trouvent blacklistées. Ça, un des risques, c'est que vos adresses IP publiques soient blacklistées à l'extérieur. Et cette communication vers l'extérieur, c'est une communication à protéger. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la visibilité. Donc ceux qui n'ont pas de visibilité sur qu'est-ce qui sort de leur infra, ils sont à risque. C'est ce parallélisme-là. En fait, des satellites un peu partout dans le monde dont l'objectif, c'est de prédire. En fait, lorsque vous regardez les informations du 8 heures du soir et que, je ne sais pas, il reste combien de temps? Pardon. Lorsque vous regardez les infos de 8 heures du soir et vous regardez la météo, donc forcément, en fait, on parle de la météo dans 2 semaines, dans 3 semaines. C'est grâce, en fait, à ces satellites-là qui sont un peu partout et dont l'objectif est de prédire un petit peu ce qui se passe. Pareil pour nous, en fait, on a
cette base-là qui s'appelle Atlas. Et la base Atlas, c'est une coopération entre nos clients et entre notre système. On a une présence dans 400 ONINET dans le monde, dont le but, c'est de capturer les nouvelles menaces, c'est de capturer ces nouvelles attaques. Atlas, c'est plus que 180 Tera de trafic Internet par seconde. Vous voyez, en fait, on est présent un peu partout. Regardez, même en Afrique, là, vous voyez, en fait, en Tunisie, on a l'Algérie, on a le Maroc. Il manque un peu de présence en Afrique, mais on a cette présence-là qui nous permet, en fait, de prédire la préparation des attaques et que ces présences, cette prédiction de la préparation des attaques nous permette. On a une équipe d'ingénieurs à CERT. C'est une équipe qui permet, en fait, de traiter ces informations-là et de préparer des nouvelles armes pour nos clients. Donc, on analyse beaucoup de données. Et cette analyse-là, elle est très importante. On analyse beaucoup de données sortantes. On analyse beaucoup de données entrantes. Cette analyse-là, l'intérêt essentiel, c'est de vous fournir, en fait, un moyen de protection qui va s'assurer que votre équipement que vous avez installé, qui gère la confidentialité, il soit toujours disponible. Et que votre serveur web que vous avez préparé, il est toujours disponible. Et que votre infra, votre système d'information, qui lui, c'est votre infra aujourd'hui qui vous ramène de l'argent, elle soit disponible tout le temps. ACERT, je vais le répéter, ACERT, c'est ça, l'intelligence. L'intelligence, c'est ces gens-là qui travaillent sur les nouvelles attaques. L'incidence response. On est capable, en fait, d'informer nos clients s'il y a une préparation d'attaque qui concerne, même qui ne concerne pas nos clients en Algérie, mais c'est une préparation d'attaque peut-être qui concerne des banques d'une façon générale, ou bien qui concerne le métier assurance, ou bien qui concerne la partie publique, et on informe nos clients par ce préparatif d'attaque. Corréler, l'intérêt essentiel, c'est de corréler toutes ces informations-là pour pouvoir isoler, en fait, l'incident. Et ça, c'est un élément clé. Corréler, ça veut dire qu'on travaille en collaboration avec des clients, des opérateurs. On a une présence mondiale, en fait. Nous, on est présent dans 150 pays, mais on a une présence avec nos clients dans tous les pays, parce que 100% des providers au niveau mondial, en fait, ils utilisent de l'Arbor. Je répète, Atlas, c'est un élément clé. Si vous souhaitez, en fait, venir nous voir ici, la connexion Internet, elle marche bien, on peut vous montrer, en fait, vraiment des choses bien précises sur qu'est-ce que nous, on voit, qu'est-ce que nous, on peut vous donner comme information. Et la connexion, en fait, de ces menaces-là, la possibilité de corréler les informations entre toutes ces menaces-là, ça nous permet de s'assurer qu'il y a un Internet qui marche. Aujourd'hui, un Internet qui marche, c'est quelque chose de primordial. Un Internet qui marche, c'est-à-dire c'est un Internet où j'ai la possibilité de faire de la transaction sans risque, j'ai la possibilité de publier, en fait, des informations sans risque, et que j'ai aussi la possibilité, en fait, de naviguer sans risque majeur. Donc, prévenir le storm, est-ce qu'on est capable de le faire? Prévenir des ouragans, est-ce que c'est possible de le faire? Mais il y a deux choses importantes, si vous la retenez aujourd'hui, pour moi, c'est largement suffisant. C'est que vous devez avoir de la visibilité. Qui vient voir votre site? Qui vient voir vos adresses IP? Qui vient scanner vos adresses IP? Et aussi avoir de la visibilité de tout ce qui sort de votre infra. Qu'est-ce qui sort de votre infra? Parce que généralement, vous êtes des experts sécurité. Vous avez mis la meilleure technologie au niveau firewall. Et lorsque vous avez mis un firewall, vous avez dit, c'est bon, on a un firewall. Un firewall, c'est un outil de confidentialité. Lorsque vous mettez des règles de firewall, faites quoi? Si vous voulez, en fait,
source IP, n'importe lequel qui vient de l'extérieur, à destination de votre serveur web, l'adresse IP, destination protocole, par exemple le port 80, et vous faites quoi ? Vous faites, je laisse. C'est vrai ou pas ? Est-ce que vous faites une règle pour dire, le retour aussi, je vais le scanner ? Non, parce que le firewall aujourd'hui, il est stateful. Donc on n'a pas besoin de faire une règle d'entrée et de sortie. Est-ce que vous avez regardé une fois, qu'est-ce qui sort au niveau des réponses de vos serveurs ? Votre serveur, il est autorisé à trafiquer avec source port le port 80. Donc, il fait quoi ? Est-ce que vous avez regardé qu'est-ce qui sort réellement de votre infra ? Donc, la première chose, c'est d'avoir de la visibilité sur tout ce qui rentre, mais aussi tout ce qui sort. Et c'est ça qui va vous préparer à savoir est-ce que vous êtes attaqué ou pas. Bon, je vais prendre un exemple. Moi, je me suis fait cambrioler. Après être cambriolé, j'ai mis des caméras de surveillance. C'est beau. Mais tous, on est pareil. Donc, si vous n'êtes pas cambriolé, vous n'allez jamais penser à une caméra de surveillance parce que ça coûte de l'argent. D'accord ? Aujourd'hui, celui qui cambriole une maison, il fait quoi ? Est-ce qu'il prend des chaises ? Non. Est-ce qu'il prend les tables ? Non. Est-ce qu'il prend l'armoire ? Il s'en fiche. C'est vrai ou pas ? Est-ce qu'il prend la linge ? Non, il s'en fiche. Est-ce qu'il prend la télé ? Même la télé, il ne la prend pas. Aujourd'hui, celui qui cambriole aujourd'hui, c'est des gens qui sont bien organisés. C'est de l'advanced threat. C'est des gens qui vont regarder qu'est-ce qui se passe chez vous. Comment votre femme elle est habillée ? Qu'est-ce qu'elle porte comme bijou ? Et c'est ça le bijou. Le bijou, c'est le data. Et il va voler uniquement le bijou. Donc votre bijou dans le système d'information, c'est la donnée. Donc cette donnée-là, elle est primordiale. Si elle sort, si elle est exfiltrée pour des raisons politiques, géopolitiques, économiques, concurrence, du piratage, du criminalité, ce sont toutes les motivations aujourd'hui qui accompagnent la cybercriminalité. Harbor Edge Defense, je ne vais pas parler de Harbor Edge Defense, mais on a une solution dont l'objectif principal, c'est d'être la première ligne de défense et la dernière ligne de défense. C'est un équipement stateless, dont l'objectif, c'est de protéger tous ceux qui sont stateful. D'accord ? Cet équipement-là, il est lié en fait à notre base Atlas. Son objectif principal, avant tout, avant de faire la protection, c'est de vous donner de la visibilité, de vous dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que vous êtes bien protégé ou il y a des trous de sécurité ? Harbor Edge Defense, c'est un équipement dont l'objectif, c'est de regarder tout ce qui va sortir et soyez sûr. Si vous mettez Harbor Edge Defense juste en mode visibilité, pas en mode blocage, vous allez voir, vous allez avoir des surprises. À chaque fois qu'on met un truc, on a une surprise parce que forcément, soit un serveur, soit un laptop, soit un téléphone. On peut avoir des attaques de déni de service par téléphone. Un téléphone 4G aujourd'hui, si on va surtout vers la 5G, bah, parfois il est plus performant qu'un serveur. Donc il pourra trafiquer avec une vitesse très importante. Donc regardez tout ce qui sort et regardez aussi tout ce qui va entrer et s'assurer que le trafic propre, c'est lui qui doit passer et le trafic sale, c'est ce trafic-là qu'on va bloquer. Donc AED, Harbor Edge Defense, relié en fait à Atlas, qui est géré par notre équipe ACERT, dont l'objectif c'est de regarder tous les malwares, tous les bots, toutes les machines infectées trafiquant avec l'extérieur, mais aussi regarder tous ceux qui visent à rendre votre site ou bien votre infra indisponible. Voilà, globalement, pour finir, trois sujets importants. NetScout, on dit aujourd'hui, on est les gardiens de l'Internet. Mais c'est vrai, on est les gardiens d'Internet parce que 100% des Tier 1, bah, ils utilisent de l'Arbor, NetScout. 100% des Tier 1. Les Tier 1, ce sont les grands service providers au niveau mondial. On est les gardiens d'Internet et l'objectif, c'est que cet Internet-là soit safe. Mais même si on est gardien de l'Internet, il y a toujours de la petite criminalité locale.
Mais je vais prendre un exemple. Vous avez les services spéciaux au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais vous avez aussi, vous allez descendre jusqu'à la police locale. Les services spéciaux n'auront pas la capacité toujours de regarder la petite criminalité. La petite criminalité nécessite d'avoir une présence locale, une présence la plus proche de vos applications. Notre mission, c'est de continuer en fait à nettoyer le trafic pour que ce monde-là soit protégé et que la connexion Internet soit toujours disponible. La stratégie, c'est on travaille beaucoup avec nos partenaires, on travaille beaucoup avec nos clients. Et l'action, c'est de partager pour avoir un monde plus protégé. Voilà. Donc, je vais arrêter là-dessus. Si vous souhaitez en fait, nous voir, on est dans le stand qui est en face et on a en fait un workshop pour détailler un petit peu ce qu'on fait. Donc, voilà. J'ai fini. Si vous avez une question, je serai content de répondre à une question. Et si vous voulez un échange, je serai très content d'échanger avec vous.